feuilleté jambon raclette. Pour ça, il nous faut une pâte feuilletée, du fromage à raclette, du jambon, de la moutarde et un jaune d'œuf. Première étape, on vient dérouler la pâte. Ensuite, je la coupe en quatre. Je viens mettre un peu de moutarde au fond de ma pâte, enfin sur ma pâte. Après, si vous n'aimez pas la moutarde, mettez une petite cuillère de crème fraîche ou de sauce tomate. J'y ajoute une tranche de fromage à raclette. Ensuite, mon jambon que j'ai coupé grossièrement. Et pour finir, je rajoute la moitié d'une tranche de fromage à raclette. Je replie ensuite ma pâte feuilletée pour refermer le tout. Une fois que c'est fait, je les place sur une plaque pour aller ensuite au four et je viens faire des petits traits dessus de décoration. Surtout n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés au préalable. Ensuite, je viens badigeonner d'un jaune d'œuf par-dessus pour la dorure. Cela part au four pendant 20 minutes à 180 degrés. Et voilà, c'est prêt. Régalez-vous bien avec une salade verte et des petites tomates, c'est hyper bon. À très bientôt, bye.